Salut les potes, c'est Niski pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Encore désolé si vous entendez donc le ventilo dans vos oreilles. C'est le dernier jour de canicule et on est là aujourd'hui pour vous présenter donc, comme vous avez pu le voir au trailer, le Logitech G923, donc le successeur du G29 et G920. Vous allez vite comprendre. C'est parti. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez la news avec vos collègues, donc que ce soit sur les Discord, les groupes ou autre, n'hésitez pas à partager ces vidéos en masse et mettre un pouce bleu pour le petit taf qui a été fait pour cette vidéo. C'est parti. Donc nous voici sur la page officielle donc de Logitech, et Logitech qui a publié ça sur leur tweet. Donc ça m'a intéressé de faire le concept sur la chaîne. Comme vous le savez, ça intéresse beaucoup de monde étant donné qu'on joue pas mal de simulations et donc les volants sont basés sur la simulation et la course bien entendu. Donc à gauche vous avez donc le G923 et à droite vous avez donc le G923. Oui, les deux s'appellent le G923, juste qui a l'édition PlayStation et l'édition Xbox. Donc pour cette année, on va voir qu'il n'y a pas plus de boutons l'un sur l'autre, à part les deux petits qui sont en bas avec à droite le logo Xbox et à gauche donc le logo PlayStation. Mais vous voyez que vous avez les deux petits boutons de la console. Bien entendu, ces volants seront compatibles avec PS5 et l'Xbox Series. Ça a été dit. Ils sont disponibles au prix de 399 € ou au prix de 399 € pour les Français en précommande sur le site de Logitech, bien entendu, pour commencer. Et on va aussi donc parler de la date de sortie, mais ça, je vous laisse un peu de suspense parce que ça n'a pas encore été dévoilé sur leur site, je pense bien. Et je l'ai récupéré d'ailleurs. Et avant toute chose, on va voir un peu les caractéristiques donc des volants. Enfin, du volant parce que c'est le même, juste la roue qui change avec les boutons. Donc, la sensation des courses du futur. Découvrez la nouvelle génération des volants de course. Le design Logitech G primé a été repensé pour s'adapter à la physique de votre jeu et offrir un réalisme inégal. Sentez les pistons pomper, le gravier crisser et chaque passage de vitesse, drift et virage en épingle à cheveux comme jamais auparavant. Donc retour de force nouvelle génération, donc avec le True Force. Voilà, donc c'est la nouvelle génération. Construction premium, donc il y a de l'aluminium, de l'acier et du cuir bien entendu. Double embrayage, donc commande d'assistance de lancement, donc il y a le double embrayage, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est le trailer que vous avez vu en début de vidéo. Donc le True Force, simulation True Force de nouvelle génération, notre dernière innovation en matière de technologie de retour de force, se connecte directement au moteur de simulation et à la physique en jeu pour générer des réponses en temps réel d'une plus grande fidélité. La plage de fréquence de retour est également étendu pour les détails et un réalisme considérablement amélioré par rapport aux générations précédentes. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas donc à vous rendre sur le truc pour voir. Donc les sensations, donc, on voit qu'il y a Grid, Assetto Corsa Competition et Gran Turismo Sport. Voilà. Ensuite, contrôle du moteur en circuit fermé. Donc ça change pas, je pense. Davantage de traction et moins de fumée. Donc, élancez-vous sur la ligne de départ plus précisément et plus rapidement grâce au double embrayage programmable et à l'embrayage assisté dans les jeux pris en charge. Donc ça, c'est pour les jeux futurs qui viendront certainement, ou les mises à jour bien entendu. Conçu pour la course, un design classique modernisé, son nouveau coloris exclusif, le métal brossé premium et la surpiqûre en cuir de type automobile et les pédales polies confère le AG923 une finition professionnelle. La forme suit le fond grâce à un marqueur central intégré et un cadran rotatif. Donc dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires du nouveau design du volant. Voilà. Et donc vous avez donc l'édition Xbox ici même et l'édition PlayStation ici même. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis le bouton là, je pense qu'il n'y était pas sur le G920. Et puis ça c'est beaucoup mieux je pense. On va rectifier bien sûr ça, donc G920. On va bien sûr rectifier image et vous pouvez donc voir que sur le G920 il n'y avait pas les boutons plus et moins, et comme on peut le voir, donc attendez, il y a la photo donc ici, je la mets en grand, merde, attendez, hop, on va faire ça, hop,
ouvrir donc l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Ah. Ok, vraiment petit. On va zoomer. Voilà, donc vous pouvez voir, donc désolé, la qualité de l'image est dégueulasse. Vous pouvez voir qu'ici, il y est sur PlayStation avec le petit plus et que là, il n'y est pas. Donc pour tous les fanboys Logitech qui vont venir me dire dans les commentaires, oui, il y était et tout ça, vous avez la preuve en image. Il n'y était pas et donc maintenant, c'est une bonne nouvelle. Il y a les deux petits boutons plus et moins et le petit bouton Enter, on va dire, qui sera là. Moi, personnellement, je l'utilise pour start, pas start and stop, mais le start, le véhicule. Donc voilà. Quand c'est disponible, bien sûr, style Euro Truck et autres. Donc voilà. Commutateur de sélection à 24 points. Donc, traction, coupe, force de freinage, tout est réglage. Tout est réglable, pardon, à partir d'un commutateur intégré que vous commandez. Pédale de frein progressive. Je pense que ça n'avait pas changé. Plus réactif, plus précis. Les ressorts progressifs simulent les performances d'un système de freinage sensible à la pression pour une sensation de course plus réaliste. Repositionner les pédales pour faciliter l'exécution des manœuvres talon-pointe. Indicateur de régime intégré. Donc ça y était déjà, hein, je pense. Ça ne va pas se le mentir. Et donc là, personnalisable avec le G-Up. Donc le volant est personnalisable avec le G-Up. Compatibilité du produit. Donc, on va voir ici, ils ont mis bien sûr X-On et 4. Donc, voilà. Et sur PC, on pourra voir qu'il y aura tous ces jeux. Donc, Assetto Corsa, le Competition, le Dakar 18, le Dirt Kart, Dirt Rally 2.0, FS, F1 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Farming 15, 17 et 19. Forza Horizon 3 et 4. Motorsport 7. Et Grid 2019. Donc celui avec la petite étoile, il prend en charge le True Force. Donc le Competition et le Grid 2019 pour PC. Voilà. Ne prend pas en charge la fonction Dual Clutch, donc sur tous les F1. Et on va voir donc pour Xbox. Xbox, il y a donc Assetto Corsa. Donc comme le. Ah. Ah ouais, non, donc ça c'est sur PC, ok. D'accord, ok. Need for Speed, Hit, Payback, Project Car 1 et 2, Spin Tier Mod Runner, The Crew, V-Rally 4, WRC 5, 6, 7 et 8, Weller American Pro Trunker, 4x4 Evo 2, American Truck Simulator, Automobilista, Beer Ninja Drive, Dirt 3, Distance, ETS 2. Yeah, TS2, il est pris en charge. Grid 1 et 2. GT Legend, GTR 2. Live for Speed, My Summer Car. NASCAR Thunder 2004, Need for Speed 2016. Air Factor 2. Richard Burn Rally. Spin Tier, donc le 1 du nom. Le F1 2020, donc 2020. Kartcraft, Snow Runner, donc le dernier qui est sorti aussi. NASCAR Heat 3 et e-Racing, bien entendu. Pour Xbox, ben c'est pareil. Donc, Assetto Corsa Competition, Dakar 18, Dirt 4. Enfin, vous voyez la liste. Et pareil pour PlayStation. En gros, la plus grosse liste, c'est celle de PC. On peut le voir. La plus petite est celle de PS4. Donc, faites attention quand vous achetez votre volant. Venez vraiment bien voir sur le site de Logitech qu'est-ce qui est compatible ou non. Et puis voilà, donc caractéristiques, configuration requise sur Xbox, la console de jeu Xbox, jeu prenant en charge, donc c'est ce qu'on a vu plus haut, avec ce qui est pris en charge, pareil pour console, pour PC, donc Windows 10, 8, 8.1 et 7, 150 mégaoctets d'espace disque sur votre disque dur, port USB 2.0 uniquement, attention, enfin uniquement, il va aussi sur le 3.0. Hein. Jeu prenant en charge, donc il est écrit au-dessus plus haut. Contenu du coffret, donc le volant, les pédales, le boîtier d'alimentation et documents d'utilisation. Il y aura certainement aussi des packs avec la boîte de vitesse. Je me demande si ça aussi ils vont la changer ou pas. Donc là, vous avez les mesures, voilà. Les mesures du pédale. 2 ans de garantie matérielle. Alors, numéro de référence, ça, on s'en fout un peu. Matériaux, on s'en fout un peu. Si vous voulez le voir, vous allez sur le site de Logitech. Ça pareil et caractéristique du volant. Voilà. Donc pour le prix, ça on savait donc que c'était 399 euros. Livraison gratuite, bien entendu. Il est précommandable.
Vous avez différentes vues ici, donc du volant. À vous de débattre dans les commentaires, hein. Donc ça, on voit un peu l'intérieur, comme on peut le voir. C'est bien parce qu'ils ont mis du mou, au cas où si on tire sous les câbles à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la prise d'alimentation, comme d'habitude. Voilà, et donc la date de sortie officielle est le 28 août, les amis. Donc soyez à vos portefeuilles dès le 28 août. Moi je serai vous, j'attendais le Black Friday, il va sûrement être soldé. Après, ce n'est qu'une supposition, ce n'est pas officiel. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent, le lien sera donc dans la description. N'hésitez pas à y passer dessus. J'espère que cette vidéo information vous aura plu. Moi, je vous dis ciao, bye bye, et à la prochaine, les potes. Quand je dis pouce, vous dites bleu. Pouce bleu, pouce bleu. T'as aimé la vidéo? Lâche un pouce bleu.